Hey yo, salut c'est les gamers, les gamers, c'est Monsieur Bruit, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors là c'est énorme ce qui se passe, vous voyez il est 2h42 du matin, c'est un truc de cinglé, je viens de tomber sur quelque chose. Donc avant tout je tiens à vous dire, je ne fais aucune pub ou aucune promotion d'une campagne publicitaire, une campagne présidentielle pardon, mais là ce que je viens de trouver c'est juste énorme. Donc dans mes recommandations de vidéos YouTube, je suis tombé sur la chaîne du candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Et il a sorti un jeu vidéo. C'est pas une connerie, c'est pas un canular. Je vais vous lancer tout de suite le jeu. Je l'ai pas encore testé, je vais le tester avec vous. Et apparemment, d'après le principe, c'est un jeu où on incarne donc Jean-Luc Mélenchon. Et où le but du jeu, c'est de secouer des riches. Pour faire tomber le... Excusez-moi. C'est de secouer des riches pour faire tomber de l'argent. Et pour donc remplir une cagnotte. Je sais pas, j'ai pas encore vu. J'ai pas joué, attendez. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Objectif en cours. On va lire un petit peu. Hein. Oh non, mais c'est énorme. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le développement. Ça, c'est pour mettre en plein écran. Ah, on va mettre. Ah, mais. Oh là là, mais. Bon, on va jouer, on va jouer. Allez, je me tais. Alors, vous arrivez trop tard. Nous avons pris le contrôle des États et de bientôt tous les internets. Rentrez chez vous. C'est ce qu'on va voir, ballot. Ken Station The Mélenchon. Oh putain. Niveau 1. Alors, pour l'attraper, appuyez dans sa direction. Pour le secouer, appuyez vers le haut et récupérez l'argent volé. Puis jetez-le. C'est énorme. C'est énorme, bordel. Oh putain. Ah, je me fais dégommer. Oh non, mais... Oh bordel. Mais y en a trop. Oh non! Qu'est-ce que c'est? Alors. Oh non, mais non! Mais pourquoi? Dites donc, Jérôme, où allez-vous comme ça? Je vais prendre l'air en Suisse, oh, mais non! Attendez. Ne prenez pas cette erreur en gants, vous devriez vous réjouir de payer des impôts en France. Laissez-moi tranquille, Mélenchon, et je vous le dis droit dans les yeux, vous êtes un homme seul. Détrompez-vous, vous avez des millions, mais nous sommes des millions. Wow, oh là là, oh putain, oh là, c'est énorme, c'est énorme. Oh, je... oh bordel. Oh putain. Ah ouais, mais je récupère pas beaucoup d'argent. C'est quoi ça? Non, mais... Oh, j'étais pas prêt, bordel. Oh, c'est énorme. Non mais franchement, voilà, sans faire de pub pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon, cet homme il est loin. On va pas se le cacher, il est clairement loin quoi. En pleine campagne présidentielle, il te lâche un putain de jeu vidéo sur lui. Non mais c'est pas un truc de cinglé. Alors, bon, je continue à lire parce que je suis perturbé là. Monsieur Mélenchon, suivez nos recommandations. Votre programme est inapplicable. Nos experts sont catégoriques. Il n'est pas chiffré. Mais madame, mon chiffrage est en ligne. Quant à vos experts, pardon, nous en trouverons d'autres qui coûteront bien moins cher. Christine, pied dans le tapis. Qu'est-ce que c'est? Oh bordel. Ah oh, Jérôme Cahuzac est de retour, mais... Ah je peux appuyer sur espace. Ah oh, putain mais c'est énorme. Non mais ce jeu, tu vois, c'est pas le jeu de l'année, mais je m'amuse sur un jeu. Je m'amuse parce que le jeu... Déjà je m'attendais pas du tout à ce qu'un... Mais personne ne s'attend à ce qu'un homme politique te... claque un jeu comme ça en pleine campagne présidentielle. Mais le jeu en plus, il est pas pourri, il est même, oh, je vais dire fun quoi. Tu t'éclates et j'ai déjà 14 000 euros.
Mais voilà. Mais je l'argent revient? Oh, mais c'est un truc de cinglé, quoi. Oh, bordel. Mais franchement, cet homme. Eh, j'allais mourir, j'ai récupéré de la vie. Ah, attention. Cinématique. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il semble qu'ils soient tous partis voir le programme en ligne. Ah. C'est fini. Non. Je veux jouer, moi. Ah, voilà, c'est pas fini. C'est qui cette personne? Franchement, Jean-Luc, vous en avez pas marre de tracasser Liliane? Si je vous fais dédicacer un petit album de Carla. Oh non, mais non, mais. Vous vous adoucirez. Figurez-vous qu'en ce moment, je suis plutôt Mozart. Mais trêve de bavardage, la planète n'attend pas. Nicolas Sarkozy, Nicolas Double. Oh, bordel de merde. Attendez, je vais faire le combo là. Oh là là. Mais ils sont fous. Non, mais les mecs. Vous m'entendez pas souvent rigoler, tu vois, parce que je suis pas un gars qui rigole pour rien. Mais là, on est sur une autre planète. Non, mais franchement, qui a déjà vu ça? Cet homme est dans le futur, tu vois. Il est loin. Tu vois, parce qu'un jeu vidéo, si on parle franchement comme ça, pour attirer des jeunes comme ça, tu balances un jeu vidéo? Mais c'est un truc de cinglé, quoi. Et de toute façon, le lien, si vous voulez y jouer, hein, il sera dans la description. Et je rappelle que je fais aucune pub pour aucune campagne présidentielle. Mais là, c'est un jeu. Et comme ma chaîne parle de jeux vidéo, je me devais tester ce jeu. Tu vois? Je vais mourir. Récupère de la vie. Oh, mais c'est énorme. Et l'argent qui rentre en plus, mais 40 000 euros. Oh là là. Voilà, le nucléaire, ça va péter. Oh là là, voilà. C'est énorme. Qui est cette personne? Est-ce que ce serait pas monsieur. Comment il s'appelle celui-ci? Macron. Alors, on va voir si j'ai raison. Cher Jean-Luc Mélenchon, on se met en marche. Il y a alerte et vous ne faites rien. Tout vous a dit faire, vous êtes irresponsable. Ce n'est pas ce que. Mes généreux de l'Inter, pardon. À présent, je vais vous donner une leçon de flexibilité. C'est ce que nous allons voir. Emmanuel, le prospère, je pense que c'était écrit. Eh, j'avais raison, c'est Emmanuel Macron. Ah non, mais ils sont énormes. Alors déjà, les créateurs de jeux, je voudrais vous féliciter parce que votre jeu, il est clairement pas moche. Les contrôles, bah, il n'y a pas plus simple, quoi. Et en plus, voilà, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Je sais pas, mais niveau. Je sais même pas si on peut dire du marketing, quoi, mais. Voilà. Je crois que Jean-Luc Mélenchon, il a touché la cible. Oh là là. Je sais pas, on est à combien de minutes de vidéo, mais moi, je veux jouer, les mecs. Hein. Là, je suis chaud. Alors, voilà pour le candidat de la finance, et maintenant, un ou deux François. À Sablé-sur-Sarthe. Oh, l'hologramme! C'était l'hologramme, là. Parce que ça, c'est pareil. Oh, putain. Alors, qui est ce monsieur? Ah non, c'est pas François Hollande, c'est François Fillon. Oh là là. Alors, il faut te rendre à l'évidence, tu ne peux plus fuir. Rends l'argent! Rends l'argent! Fuir face à un hologramme, oh putain de merde. Il est loin! Il est très très loin. Non, c'est impossible. Oh, l'argent. François l'irréprochable. Mais ils sont fous. Mais ils sont fous. Ah, il y avait beaucoup de vie, François. En même temps, c'était un boss, tu vois. C'était un boss. Et je ne veux pas mourir. Ah, le nucléaire. Je veux récupérer le. Oh non! Ah, elle avait été zombifiée. Oh putain, mais c'est énorme. Franchement, les gens, même ceux qui peuvent pas voter, tu vois, les plus jeunes d'entre nous, tu vois, il y en a qui peuvent pas encore voter et qui vont voir cette vidéo. Est-ce que ce jeu. Répondez. Oh putain, je. Oh là là. Oh non!
Non! Oh non! Je suis mort! Bon, j'ai récolté 94 605 euros. Hein? C'est énorme. Je vais pouvoir payer ma maison avec tout ça. Donc là, 21 milliards 758 millions 723 253 euros, je crois que ça doit être le tout. Contribuer au trésor public, si je clique dessus, ça fait quoi? Ah, ça rajoute la somme! Ah ouais, mais c'est énorme. Et je peux pas, il n'y a pas un checkpoint, monsieur Mélenchon. Je veux jouer encore. Alors. Ah putain, c'est un truc de cinglé. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Mais parce que sinon, je vais y jouer toute la nuit. Hein. C'est pas possible. Mais franchement. Voilà, sans vouloir faire de pub, je trouve ça énorme. Franchement, de la part d'un candidat présidentiel pour franchement toucher les jeunes. Je pense que, voilà, comme je l'ai dit, il a touché la cible. Monsieur Mélenchon a touché la cible. Et donc, bah, bien sûr, le lien du jeu sera dans la description. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé en jouant à un jeu. Et c'est le jeu, il est simple à jouer. Et il est fun, quoi, parce que ça te parle d'actualité. Voilà, c'est énorme. Bref, je vais vous laisser là. Je vais pas vous parler plus parce que sinon je pense qu'on va parler toute la nuit. Je sais même pas, je suis à combien de minutes de vidéo. En tout cas, cette vidéo vous a plu, les mecs. Pensez à bombarder les likes et à me le dire en commentaire. Je vous mets le lien dans la description pour jouer au jeu. Moi, je vais vous laisser là et je vais rejouer parce que je veux combattre tous les candidats. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.